Salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le afterpage du don de véhicule au centre LS. Donc pour ce fait, il va nous falloir tout simplement un centre d'opération mobile qui se trouve sur Warstock avec un module 3 de dépôt de véhicule personnel. Ensuite, il va nous falloir l'arena avec juste l'atelier, on n'a pas besoin de garage, et dans cette arène il va nous falloir un véhicule, donc une Eleguir H8 gratuite fera l'affaire. Ensuite il nous faudra un RC Bandito qui se trouve je crois sur Stenson RS pour vérifier si on est bien bugué. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a tout, on se retrouve devant le centre LS qui se trouve ici sur la map, et on va rentrer à pied. Bien sûr, ce glitch marche dans n'importe quelle session, n'importe quel mode de visée, et bien sûr on en a un poids 57. Voilà, je passe en classe cinématique du coup. Voilà, une fois à l'intérieur, je vais me rendre au niveau des véhicules à tester. Donc juste là. Une fois que je suis arrivé ici, je vais appeler Simeon. Donc je lève mon téléphone et j'appelle Simeon. Voilà, Simeon, je vais lui demander une activité. Une fois que vous avez demandé l'activité, vous montez dans un véhicule à tester. Donc vous faites triangle et entrez avec d'autres joueurs. Voilà, je patiente la cinématique. Je viens de recevoir l'activité de Simeon, c'est parfait. Voilà, je patiente un peu l'écran noir. Une fois que je suis ici, je vais prendre un peu d'élan. Celle-là, elle est pas rapide. Voilà. Et là, ce qui a changé, c'est tout simplement, on ne va plus lever son téléphone et prendre l'activité directe. Là, on va devoir le faire en roulant. Donc, tout simplement, je vais accélérer. Et quand je vais arriver près de... Quand j'aurai dépassé le poteau, là, tout simplement, je vais lâcher R2, lever mon téléphone et spammer croix pour... lancer l'activité. Donc j'y vais. Là, une fois que j'arrive ici, je lâche R2 et je spam. Voilà. Si ça a bien marché, votre écran clignotera comme ceci. Là, vous faites rond et croix pour quitter l'activité. Voilà. Là, c'était un petit chargement tout à fait normal. Et je respawn à pied. Voilà, je respawn à pied, j'ai plus la minimap, c'est parfait. Là, il vous suffit de sortir. Toujours à pied, ça sert à rien de prendre un véhicule, de toute façon on n'en a pas ici. Voilà, vous allez jusqu'à cette petite porte là, et vous faites quitter le salon auto. Une fois dehors, bah... vous commandez votre véhicule qui se trouve dans votre arène. Donc j'appelle le mécano. Voilà, donc là je vais prendre un véhicule de mon arène. Ça marche mieux qu'avec la boîte de nuit, parce qu'avant on pouvait faire avec la boîte de nuit, mais vous avez plus de chances de réussir avec l'arène. Donc je prends un véhicule de mon arène, je fais start pour savoir où il a spawn. Voilà, de l'autre côté. Et là, il me suffit d'aller jusqu'à l'arène. Donc je vais vous passer ce petit moment. Donc voilà, une fois arrivé à l'arène, donc ici,
il lui suffira de rentrer avec le véhicule dans le garage d'où il provient. Donc moi, niveau d'atelier, je vais faire 3. Donc, vous aurez cet écran bugué, c'est normal, vous faites triangle, vous allez vous voir tomber sous la map et vous allez respawn. Bon, là je respawn dans une voiture, c'est un peu bizarre, c'est pas grave. Donc là, maintenant pour bien finaliser et pour être savoir si on est bugué, on va appeler le RC Bandito qui se trouve dans l'inventaire. Voilà, demander RC Bandito. Une fois spawn avec, il me reste plus qu'à faire triangle pour quitter. Voilà, vous voyez mon personnage clignote. Si mon personnage clignote bien, je suis bugué, c'est parfait. Il me reste plus qu'à aller au niveau du don qui se trouve ici précisément. Et voilà, tout simplement, c'était l'after patch du glitch de don de véhicule OLS, les potos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis ciao, ciao, les amis.